La clairière de l'armistice de Compiègne. Située dans la forêt de Compiègne est un lieu emblématique qui symbolise la fin des hostilités de la Grande Guerre. C'est ici, le 11 novembre 1918, que l'armistice entre la France, ses alliés et l'Allemagne a été signé. Cette clairière est devenue un lieu de mémoire et d'enseignement, rappelant les événements qui ont marqué notre histoire. À 5h du matin, dans le wagon 2419D, les Alliés, représentés par la France et la Grande-Bretagne, ont signé l'armistice, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Le conflit qui avait duré 4 années effroyables prenait enfin fin à 11h ce jour-là. 22 ans plus tard, dans ce même wagon, Hitler signait l'armistice du 22 juin 1940, entraînant la capitulation de l'armée française. Après la signature, Hitler ordonna la destruction de la clairière. Le wagon original fut emporté en Allemagne et incendié en 1945. Le mémorial de la clairière de l'armistice, créé en 1927, abrite la réplique du wagon où fut signé l'armistice de 1918. Hitler avait exigé de signer l'armistice de 1940 dans ce même wagon, le 2419D. Pour laver l'affront de la défaite de la Première Guerre mondiale. Tout fut emporté par les Allemands, sauf la statue du maréchal Foch. En 1950, un wagon de la même série que l'original fut offert par la compagnie des wagons-lits. Il est aménagé à l'identique et installé dans un nouvel abri. Une extension de 500 mètres carrés a été ajoutée pour accueillir les visiteurs. Ancienne, un silence profond. Les nations se sont réunies, le monde retient son souffle. Là où les plumes ont tracé l'espoir et la rédemption, la clairière de l'armistice, gardienne de notre mémoire. Thank you.
silence profond. Les nations se sont réunies, le monde retient son souffle. Là où les plumes ont tracé l'espoir et la rédemption. La clairière de l'armistice, gardienne de notre mémoire.